tire vers l'avant. Et maintenant, l'élégant Éric Poujade au sol. Et ensuite, eh bien, lorsqu'il aura fini sa minute 30 d'acrobatie, d'évolution légère, comme il sait très bien le faire, il ira se confier à Nelson tout de suite après son sol masculin. C'est parti pour la première diagonale. Voilà, vrille et demi percuté, deux saltos avant. Sorti. Enchaîné. Je n'ai pas vu. J'ai vu un bras se lever du côté du juge. Vrille, salto arrière, corps groupé. Oh, elle lève encore le bras. Non, ça siffle dans les tribunes. Et là, je pense que c'est injustice. Alors, à la décharge des juges de ligne, ils sont assez mal placés pour évaluer la faute. Ils sont beaucoup trop bas. Ils ont qu'à se mettre dans chaque coin, ils diront. Position d'équilibre, planche sur une jambe. Et oui, mais voyez comment la jambe de Poujade est un peu faiblarde. Voilà, il souffle et normalement, vrille, salto arrière, corps groupé pour terminer. Allez, c'est parti. Oui. Alors là, il est bien sorti. Il est sorti, rien à dire. Là, effectivement. Alors, pour ceux qui regardent la gymnastique et qui n'ont pas encore bien compris qu'il y a quand même une limite à ce tapis, c'est-à-dire la ligne bleue. Il ne faut pas franchir la ligne bleue. C'est comme sur la route, il ne faut pas franchir la ligne blanche. Et vous avez donc sur le tapis de sol un périmètre. Et bien d'ailleurs, Nelson va recueillir les impressions. D'après ce que je crois savoir, Nelson, Éric Poujade est sorti trois fois. Trois fois, apparemment, vous êtes sorti trois fois, Éric. Est-ce qu'on le voit, ça, pendant l'exercice? À un moment donné, ça s'est joué vraiment à quelques centimètres. Vous voyez le juge lever la main? Oh, je n'ai pas regardé, mais je pense être sorti qu'à la fin. Les deux fois d'avant, je ne suis pas sorti du praticable. Ah oui, il y a peut-être un du moment qu'on ne sort pas de la ligne, normalement, il n'y a pas de sortie. Donc, je ne sais pas si elle a levé son drapeau. En tout cas, apparemment, Pierre l'a vu lever trois fois. Oui, mais je d'ailleurs, regardez. Éric, en votre compagnie, on voit le ralenti. Regardez. Ah là, je suis pas dehors. Non. Donc j'espère qu'ils l'ont pas compté, parce que sinon, ce sera pas bien. Voilà, il va porter réclamation. Là. Ah non plus. Non. Ah, c'est juste, hein. C'est limite quand même, hein, Éric. Mais c'est pas dehors. Bon, ouais, pour l'instant. Non, je pense pas. Je sais pas. Je verrai. Hein? Non. Non, je pense qu'il y a qu'une sortie à la fin. Les deux fois d'avant, je vais pas dehors. On va voir votre sortie finale de toute façon. Demandez à Eric s'il se sent bien dans ce championnat de France. Est-ce qu'il plus généralement, Eric, alors qu'il est évidemment Eric est très intéressé par ce que nous voyons à l'image. Comment vous sentez-vous? Bah, je me sens pas trop mal. Encore ça va. Je pensais être pire que ça après le championnat du monde. On pensait avoir une plus grosse décompression. En fait, on s'en sort bien. On est là pour se faire plaisir. C'est un petit peu difficile quand même de remettre les maniques et refaire un gros match, quoi. Patrice Casimir, en tout cas, que nous avons vu précédemment, nous disait qu'après votre démonstration aux anneaux, qui s'est très très bien passée, vous étiez un rival plus que sérieux pour le titre. Bah ouais, de toute façon, moi je pense franchement qu'il est vraiment favori sur le potentiel et il mérite de toute façon de gagner encore cette année. Moi, mon objectif, c'est de revenir sur le podium et de reprouver que sur 6 agrès, je suis compétitif. Puisqu'après un an, en fait, à être passé un petit peu avec l'opération à l'épaule et tout, à côté de pas mal de compétitions, je veux signer mon retour à partir de maintenant. Donc, je veux être terminé sur le podium et à partir de la saison 96, commencer à de nouveau ramener des médailles et gagner beaucoup de compétitions. Ça sera une belle saison. Merci beaucoup, Éric.